Thank you. Bonjour, donc effectivement, je vais vous parler de tests et comment résoudre le paradoxe apparent d'augmenter sa couverture tout en supprimant des tests. Et avant de commencer, quelques infos sur moi. Donc, comme le disait Michael, je m'appelle Baptiste Langlade, je suis architecte logiciel sur Lyon. Ça fait un peu plus de dix ans maintenant que, que je code principalement au PHP, et sur mon temps libre, je maintiens tout un, cas, tout un tas de packages open source. Dans le tas, vous trouverez un framework HTTP, un ORM, un framework de test complet. Un client MQP, enfin RabbitMQ, et tout un tas d'autres outils très utiles. Et je travaille dans une entreprise qui s'appelle EFALIA. Chez Ephalia on s'occupe de la vie numérique des documents. Donc ça passe par l'acquisition de documents, par la numérisation, le cycle de vie avec des workflows et le stockage plus ou moins long terme avec une GED ou un coffre-fort et tout un tas d'autres logiciels. Et ces différents logiciels communiquent par API. Et forme une suite logicielle qu'on appelle EFALIA suite. Et, euh, et chez EFALIA, je, euh, enfin, je travaille dans l'équipe de, de la GED, donc la gestion électronique de documents. Euh, le but de cette application, c'est de stocker tous les documents d'un même type, euh, toujours de la même façon, en associant toujours des, les mêmes méthodes données euh, sur un document, typiquement une, une fiche de paie, qui est toujours un mois et une date, euh, enfin une année de, de renseignée. Le but étant derrière de pouvoir retrouver ces, ces documents le, le plus simplement possible. Et dans sa version très simplifiée, euh, cette application, elle est structurée autour de, de ces concepts. Je passe toute la sécurité, qui est un concept important, mais ce n'est pas utile pour, pour la présentation d'aujourd'hui. Et donc, globalement, c'est structuré autour de la notion d'armoire, qui contient des gabarits de documents. Les gabarits, en fait, c'est justement là où on va spécifier toutes les métadonnées qui sont nécessaires à spécifier quand, quand on veut classer un document. Et donc, on peut classer des documents dans une armoire en spécifiant euh, un gabarit et donc les métadonnées associées. Et à côté de ça, on a la notion de, de bannette euh, dans lequel on peut aussi avoir des, des documents. Et euh, cet espace, en fait, c'est un espace temporaire de travail, le temps d'acquérir en fait toutes les métadonnées avant d'aller euh, classer ce document dans, dans une armoire. Et euh, la particularité de, de notre application, euh, c'est que c'est pas un SaaS euh, comme on pourrait l'utiliser en fait partout. C'est une application qu'on va déployer chez euh, chez nos clients, donc dans le réseau interne de, de nos clients, à travers une VM complètement fermée. Et, euh, et les, euh, les applications en fait de nos clients vont venir en fait interagir avec notre application à travers une API. Et donc euh, l'application elle est structurée entre une API qui est faite en Symfony et un front qui consomme notre, notre API, donc un front en, en Angular. Et la particularité de, de la plupart de nos clients, en fait, c'est que euh, une fois qu'on a déployé euh, notre application chez eux, euh, bien souvent, c'est dans un réseau Internet, euh, enfin, c'est un réseau fermé, donc il n'y a plus forcément accès à Internet, et même nous, on n'a plus forcément accès à l'application, sauf dans les cas de mise à jour où il y a tout un protocole à, à mettre en place. Euh, mais du coup, on a un fort impératif sur le fait que euh, notre application doit fonctionner, et particulièrement notre API, parce que, en fait, on ne peut pas intervenir, euh, genre se connecter en SSH sur la machine et, et débugger genre, en, en live. Quoi. Et donc, euh, c'est pour cette raison qu'on a décidé dans l'équipe de faire que des tests fonctionnels sur notre API. Euh, bon, l'équipe Front fait ses, ses tests aussi, hein, de son côté. Mais du coup, pour l'API, c'est euh, que des, euh, des tests fonctionnels. Et. Euh, dans cette application, on a, on a une fonctionnalité qui permet de verrouiller un document. Euh, le but de cette fonctionnalité, c'est permettre à un utilisateur d'être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller écraser en fait, les modifications qu'il est en train de faire sur, sur le document. Et derrière, il peut déverrouiller le document quand il a fini euh, de travailler. Et, euh, et cette fonctionnalité, cette il faut qu'elle fonctionne à la fois pour des documents qui sont dans des, euh, dans des armoires, mais aussi des documents qui, euh, qui sont dans des banettes. Et euh, si on veut écrire des, euh, des tests pour cette fonctionnalité, si on considère que, par exemple, on n'a que trois enfin, trois usages possibles de cette fonctionnalité, il euh, bah, faut qu'on écrive ces trois tests pour les documents qui sont dans les armoires, mais aussi les trois mêmes tests euh, pour les documents qui, uh, qui sont dans les bannettes, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de duplication de, de, de logique. Mais la problématique, c'est qu'un jour, il y a notre équipe produit qui est venue nous voir et qui nous a dit... Ben maintenant, on, dans les armements, on va avoir aussi le, le concept de dossier dans lequel on va pouvoir mettre des documents. Et là, du coup, ben, on a dû rajouter, en fait, euh, penser à rajouter ben, nos 3-4 tests pour les documents qui sont dans, dans les dossiers. Et la problématique, c'est que, bon, là, on, travaille sur, on pense à, la, à cette fonctionnalité de, de verrouillage de documents, mais aussi, il faut penser à le faire pour toutes les fonctionnalités de notre application qui travaillent sur tous les documents possibles de, de notre application. Ce qui fait que dans le tas, il y a forcément des, des trucs qu'on va louper. Et donc, juste par oubli, en fait, oublier des cas de test dans notre application. Et ce qui fait que, après trois ans de développement sur, sur cette application, on en est actuellement environ 730 tests pour un temps d'exécution de CI de 1h15. Donc, c'est un temps très conséquent, quand même. Et donc, pour essayer d'améliorer un peu notre workflow, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scindé nos. Nos tests en test positifs et tests négatifs. Les tests positifs, en fait, c'est les cas nominaux de notre application. C'est-à-dire que quand on veut créer une armoire, par exemple, ben, on peut bien la créer. Et inversement, un test négatif, c'est s'assurer que notre application euh, va bien gérer les cas d'erreur correctement. C'est-à-dire créer une armoire avec un nom vide, on ne le permet pas. Et donc, on retourne un bon code d'erreur euh, dans notre API. Et donc, on joue nos tests positifs, en fait, euh, que. Euh, enfin, on joue que les tests positifs quand on est sur une paire pour aller un peu plus vite. Du coup, ça divise à peu près par deux notre, notre temps. Et on joue l'ensemble de, de notre suite euh, que, que sur master. Euh, voilà. Et en fait, ce que montre cette, cette fonctionnalité, et l'ajout des documents dans, dans les dossiers, c'est qu'en fait, pour tester notre application, on est sur une courbe de complexité qui est exponentielle, en fait, puisque on a le nombre de cas de tests à faire sur notre fonctionnalité. Mais fois le nombre de dépendances, l'endroit où, euh, où s'applique cette fonctionnalité. Donc là, en l'occurrence, c'est 3 fois 3, donc 9. Mais donc, au plus on rajoute de fonctionnalités, en fait, et au plus ce nombre a tendance à exploser. Et euh, la problématique, c'est qu'en tant qu'humain, on n'est pas armé pour gérer une complexité qui est exponentielle. Il y a un moment où on est dépassé. Mais on est quand même obligé de, de trouver une solution pour continuer à tester notre application. Et euh, une des solutions qu'on pourrait envisager, euh, bah, ce serait d'embaucher une armée de développeurs qui ferait euh, que ça. Mais bon, d'un c'est pas très viable économiquement et c'est pas très passionnant comme job d'écrire que des tests. L'autre solution, ce serait de dire, bah, on ne peut pas gérer, enfin on peut pas assurer la qualité. Donc on va dire à l'équipe produit, on arrête de faire des fonctionnalités, ce qui est difficilement entendable aussi. Et une autre solution, ça serait de dire, bah, puisqu'on n'est pas armé pour le gérer, bah, on ne va pas le gérer. Et donc, au plus on va rajouter de fonctionnalités, au plus la qualité va diminuer, puisque euh, proportionnellement, en fait, on va écrire de moins en moins de tests euh, par rapport au volume de, de notre application. Et donc, là, vous avez pas vu. <laughs> Et donc euh, il existe une autre, euh, une autre approche. Puisqu'on ne peut pas le gérer humainement, bon, on va essayer de le faire gérer euh, euh, par une machine, donc un ordinateur. Et donc, il y a une technique qui, euh, qui nous permet de faire ça. Ça s'appelle le Property Best Testing. C'est une technique qui nous vient de la programmation fonctionnelle, euh, qui est apparue avec la création d'un outil qui s'appelle QuickCheck euh, en SQL, qui a été créé en 1999. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant c'est une méthodologie qui revient à la mode ces dernières années un peu comme le, comme le DDD et le, le but enfin la, la pratique derrière cette, euh, cette, cette euh, pratique euh, c'est en fait de générer aléatoirement, aléatoirement des données pour essayer en fait de couvrir le plus de cas possible sur, euh, sur notre application pour essayer de, de trouver des, des cas qui seraient euh, invalides. et euh, on écrit les, les tests euh, avec cette technique, sous la forme pour tout ensemble de données X, alors telle assertion est toujours vraie. Et en fait, cette technique, euh, elle est liée à la loi de Murphy. La loi de Murphy a dit que tout ce qui peut mal se passer va mal se passer. Et en fait, c'est une loi statistique qui dit que au plus le temps passe, au plus la probabilité que toutes les permutations d'un système se passent augmente. Ce qui fait que, par exemple, quand vous déployez une euh, nouvelle fonctionnalité en production, vous n'allez pas avoir un bug tout de suite, mais vous allez avoir un bug une semaine, un mois voire plusieurs mois ou années euh, plus tard. Et, en fait, et plus le bug arrive loin, euh, au plus euh, c'est compliqué à débugger parce que votre système a, a changé entre temps. Donc il faut faire tout le chemin inverse pour remonter en fait, la, à la source du problème. Et donc euh, la, le property based testing en fait, euh, va essayer de compresser ce temps-là justement en générant aléatoirement, toutes les euh, et rapidement, euh, le plus de permutations possibles de votre système, plutôt que ce soit vos utilisateurs qui le fassent. Dans, dans le temps. Et donc cette technique, en fait, elle est très utile si euh, vous jouez régulièrement euh, vos tests, donc, que ce soit en local, euh, quand vous développez de nouvelles fonctionnalités, ou vous euh, corrigez un bug, et quand vous avez une CI qui, euh, qui se lance à chaque fois que vous bouchez sur votre repo. Euh, sur votre repo. Et en fait, euh, c'est utile dans ce cas-là, parce qu'à euh, chaque fois que vous lancez votre suite de tests, en fait, le framework de Property Based Testing va générer des nouvelles données à tester contre votre système, ce qui fait qu'au plus vous jouez votre suite, au plus votre confiance dans le fait que votre application fonctionne va augmenter. Et du coup, l'effet un peu cool avec ça, c'est qu'en plus, plus votre équipe grandit, bien, au plus vous jouez de tests, donc en fait, au plus vous votre garantie de votre application augmente. Donc chez FALIAL, l'histoire de nos tests, en fait, ça, ça a commencé comme la plupart des applications avec des tests en dur, où on écrivait toutes les données en dur. Et euh, un des premiers tests qu'on a fait, ça a été la, le test de création euh, d'une armoire. Donc, c'est une classe PHP Unit euh, Standard, sur laquelle on a une méthode de test PHP Standard. Et dedans, on fait un, un appel API, donc avec make post de API Armoire, en passant un nom, en l'occurrence Foubar, et on s'assure que la réponse qui nous est retournée, c'est bien une 201, pour nous dire que ça a bien créé l'armoire. La, Là, la méthode MacPost, c'est un helper à nous. Mais derrière, ça utilise le client Symfony qui est fourni par le Web Test Case. Donc il n'y a pas de vrais appels réseau qui sont faits, c'est tout, fait, euh, tout fait en mémoire. Mais derrière, ça appelle vraiment la base de données locale et tout ça. Et un, un test qui a, qui a suivi, c'était le test de création de gabarit de documents. Et puisque euh, on reset notre base de données entre chaque test pour que chaque test soit atomique, bah, du coup, pour créer un gabarit de document, on a besoin de recréer une armoire. Donc on refait notre appel. À, de création de notre armoire foubar. Donc on vérifie toujours bien une 201. Et derrière, on décode le retour API pour aller extraire en fait, l'ID qui a été généré pour cette armoire. Et derrière, on fait un deuxième appel API pour créer un gabarit de document dans cette armoire, en spécifiant un nom, en l'occurrence base. Et à nouveau, on s'assure que la réponse, c'est bien une 201, pour s'assurer que, que le gabarit a bien été créé. Et le premier problème qui apparaît, c'est qu'en fait, la création de, de notre armoire, en fait, c'est déjà du code dupliqué, puisque c'est le même code, en fait, que le, que le test de, de création d'armoire. Et vu que c'est une structure de base dans notre application qu'on retrouve dans, dans tous les tests, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout simplement une, une méthode helper pour abstraire ça. Et du coup, on a juste à passer le nom, et comme ça, on peut créer autant d'armoires qu'on veut en spécifiant, en spécifiant le nom. Mais la problématique de, de ces tests, c'est que, euh, au final, tout ce qu'on a prouvé avec ces tests, c'est qu'on peut créer une armoire qui s'appelle FooBar et un gabarit qui s'appelle BASE, Mais il y a peu de chances que ce soit le genre de nom que nos clients vont utiliser. Et donc, en fait, on n'a pas prouvé que notre application va fonctionner en production, parce que dans l'eau, les clients, ils vont utiliser des accents, des caractères Unicode ou que sais-je. Et donc, en, en vrai, on n'a pas vraiment testé euh, complètement. Et du coup, pour résoudre ce problème, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à générer aléatoirement des données, plutôt que d'avoir ces données en dur. Et pour faire ça, on utilise un outil qui s'appelle Blackbox. C'est un outil que j'ai créé il y a plus de 5 ans maintenant. C'est un framework de test complet, mais il peut être utilisé très simplement dans, dans PHP Unit. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il faut utiliser un trait sur votre classe PHP Unit, enfin une classe de test PHP Unit. Et ce trait rajoute qu'une seule méthode, c'est la méthode forAll. Qui attend la description d'un ensemble de données. En l'occurrence, on, dé, on décrit un ensemble qui contient plusieurs, enfin qui contient des éléments. En l'occurrence, qui contient que l'élément Fou bar. La méthode forall nous retourne un objet qui a une méthode zen qui attend une fonction anonyme. Et cette fonction, en fait, ça va être le corps de notre test. Et cette fonction, dans ce cas-là, attend un argument qui s'appelle nom. Et en fait, ce que va faire Blackbox, c'est que quand il va exécuter cette fonction. Il va aller piocher une valeur dans l'ensemble de données qui est définie à la méthode forAll et, et la passer en argument de, de cette fonction. Donc là, en l'occurrence, vu que l'ensemble de données qu'on a défini que, contient que foubar, cette variable non-là euh, va toujours être assignée à foubar. Et derrière, l'implémentation du test, ben en fait, c'est comme avant. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir foubar en dur, ben maintenant, on utilise la variable non. Et ce qui fait que. Euh, avec ce, cette, cette façon d'écrire-là. Enfin, C'est exactement ce que, le, le même comportement que ce qu'on a vu euh, comme c'était écrit en dur juste avant. Et comme je disais tout à l'heure, en Property Based Testing, on, enfin, on écrit un test sous la forme pour tout ensemble de données x, alors telle assertion est toujours vraie. Et dans notre cas, ça pourrait se traduire par pour toute string entre 1 et 255 caractères, alors je peux créer une armoire. Et donc pour implémenter ça, il ben, n'y a pas grand-chose à changer on remplace le, le set elements qui contient foobar par set de strings entre 1 et 255 caractères, ce qui fait que maintenant, la variable nom qui, euh, qui sera assignée quand la fonction sera appelée, Blackbox va utiliser n'importe quelle string qui respecte les critères qui ont été définis dans l'ensemble précédemment. Donc ça pourrait être la, la string A, B, C, et toutes les permutations qui sont possibles dans cette plage-là. Cette plage et derrière, bah, la, la variable, c'est toujours la même qui est utilisée dans notre appel API. Ce qui fait que bah, maintenant, on teste euh, plusieurs noms à chaque exécution de, de notre suite de tests euh, sur, sur notre API. Et en fait, rien que faire ça, ça nous a remonté déjà pas mal de problèmes dans notre application. Euh, parce qu'on a une, une fonctionnalité de recherche rapide qui est basée sur Elasticsearch. Et c'est avéré qu'en fait, on a mal configuré notre Elasticsearch. Et en fait, il y a tout un tas de caractères quand on faisait une recherche avec. Euh, bah, Elasticsearch crachait, il nous remontait euh, n'importe quoi et c'était euh, juste euh, inutilisable. Et du coup, Blackbox, en fait, il nous l'a remonté en l'espace de quelques minutes, ce qui nous a permis d'aller alerter l'équipe produit pour dire attention, là, on s'est planté, il y a tout cet ensemble de données euh, qu'on qu ne gère pas correctement dans, dans toute l'application. Donc, si jamais il y a des clients qui viennent nous voir pour nous dire euh, bah, ça ne marche pas, euh, vous pouvez dire bah, on est au courant, on sait comment le corriger et on va l'adresser ce qui fait qu'en fait, on s'est prémunis d'un problème qui aurait pu, euh, pu arriver en fait, chez nos clients avant même que ça arrive. Et, euh, et du coup, bah, derrière le, le, test de, de de, pardon, le test de création de gabarit de document, bah, on a toujours notre fonction euh, créer armoire, mais au lieu d'utiliser un, une variable en dur, enfin une string en dur, on utilise une variable qu'il faudra générer, donc là, la variable non armoire, qui nous retournera une armoire. Et derrière, l'appel... API pour créer le gabarit de document. Pareil au lieu d'utiliser le nom base en dur, on va utiliser une variable qui s'appelle non gabarit et on vérifie toujours qu'on a bien notre 200 quand c'est créé. Et donc pour exécuter ce test on a besoin de deux variables non armoire et non gabarit et pour faire ça on définit deux ensembles de données à la méthode forall donc chacun va être euh, injecté pour chacune des variables. Donc là, en l'occurrence, les deux ensembles, c'est la même chose, c'est une string entre 1 et 255 caractères. Et la problématique de, de cette approche, c'est qu'en fait, bah maintenant, le test de création de, de gabarit, il a besoin d'avoir connaissance de la logique de génération du nom d'une armoire pour pouvoir gérer une armoire, euh, enfin, créer une armoire correctement. Donc là, c'est gérable avec deux tests, mais quand vous en avez 730, ça devient tout de suite plus compliqué. Et du coup, bah, pour résoudre ce problème, on fait ce que j'ai appelé des tests dynamiques. Ce nom est complètement inventé, il ne veut rien dire. Euh, L'idée derrière, c'est euh, de dire qu'on va réutiliser des tests pour initialiser euh, d'autres tests. Et donc, on va voir comment ça se passe. Et donc, pour le test de création d'armoire, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on a une classe PHP euh, qui s'appelle CréaArmoire. C'est une, une classe standard, elle est étend et elle n'implémente rien du tout. Sur cette classe, on a une méthode statique qui s'appelle Any. Ça, le nom Eni, c'est une convention chez nous, ça pourrait s'appeler n'importe quoi. Euh, et dans l'implémentation, on retrouve notre ensemble de strings entre 1 et 255 caractères, sur lequel on va appliquer une transformation avec la méthode map pour wrapper euh, en fait, cette string nom dans une instance de notre classe, euh, créArmoire. Et donc, quand on fait un new créarmar, en fait, la, le nom, on l'assigne dans, dans une propriété. Et derrière on a une autre méthode qui s'appelle invoke, pareil, c'est de la convention chez nous, ça pourrait s'appeler n'importe quoi. Et euh, cette fonction attend un argument qui est euh, une instance de test case. Donc c'est le test case de, de PHP Unit et l'implémentation du test. Là, globalement c'est la même chose que ce qu'on a vu juste à présent. La différence c'est au lieu de faire vis, makepost et vis assert same, on fait test makepost et test assert same. Et au lieu d'utiliser la variable locale qui est non. On utilise la propriété de, de notre objet et on vérifie toujours qu'on a bien notre 201 et on décode le retour API euh, de, de cette réponse pour pouvoir le retourner et l'utiliser plus tard et euh, pour utiliser cette classe, ben, on retourne dans notre, dans notre fonction, enfin dans notre méthode de test euh, PHPUnit et au lieu de faire forall set de string entre 1 et 255, maintenant on fait un forall all armoire any ce qui fait que la variable qui est passée à notre fonction dans Zen, c'est plus une string, mais une instance de l'objet créarmoire qui contient un nom aléatoire. Et pour exécuter notre test, on fait créarmoire devise, et ça exécute notre test exactement comme avant. Et du coup, l'avantage, c'est que vu qu'on a extrait euh, notre logique de test dans une classe, c'est que ben, maintenant on peut réutiliser cette classe dans notre test. Donc dans le test de création de gabarit de documents, au lieu de dupliquer le set de strings entre 1 et 255, on réutilise armoire de NI, ce qui fait que la première variable qui est passée à notre fonction, c'est une nouvelle instance de armoire, Et donc, pour avoir une variable armoire qui est créée dans notre API, on fait créarmoire de vis, et le reste de notre test de création de gabarit de documents est exactement le même. Et donc, comme ça, en fait, on a éliminé en fait, toute duplication dans, dans notre code, euh, enfin dans, dans nos tests. Et on peut répéter cette logique d'extraction de tests dans des classes à l'infini, ce qui fait qu'à la fin, on a tout un tas de classes telles que créer armoire, créer gabarit de documents, créer documents dans armoire, etc., etc. Globalement, l'ensemble des actions qui sont possibles dans notre, sur notre API. Et si on revient sur, sur la fonctionnalité de verrouillage de documents que je parlais tout à l'heure, la particularité, c'est que pour ce test, il faut qu'on teste à la fois pour les documents qui sont dans des armoires et des documents qui sont dans les bannettes. Pour écrire ce test, on fait à nouveau une classe qui s'appelle Verrouiller document, sur laquelle on a une méthode any. Et l'ensemble de données qu'on va utiliser cette fois, c'est un ensemble un peu spécial qui s'appelle hiver, qui veut dire soit, soit. Et en fait, on va lui passer d'autres ensembles de données. Et à l'exécution, il va aller piocher soit dans le premier, soit dans le deuxième, ou le troisième, etc., quand il y en a plusieurs. Et donc, la donnée qui est générée, on, fait, on applique une transformation à nouveau avec la fonction map. Pour injecter en fait cet, euh, cet objet dans une nouvelle instance de notre euh, classe de test verrouillé document, on assigne à nouveau euh, cet objet dans une propriété de notre, euh, de notre classe. Et dans l'implémentation de notre test, on fait vis créer document de test et ça nous retourne une variable document. Et cette variable, à euh, chaque exécution de, de notre suite de test, ça va être soit un document qui est dans une armoire, soit un document qui est dans une manette. Ce qui fait qu'avec un seul test, statistiquement, en fait, on couvre les deux cas de, de, dans notre application. Et la, Par contre, la problématique d'écrire cet ensemble Iver directement dans notre classe de test, c'est qu'on va vouloir réutiliser cet ensemble-là dans d'autres tests, typiquement le, le test de déverrouillage de documents. Donc, pour éviter à nouveau de dupliquer le code, bah, toujours la même logique, on extrait dans une fonction. Donc là, c'est dans un namespace fixture, dans une classe document méthode any. C'est que la convention, on peut l'appeler n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Et derrière, dans notre classe de, de test, bah maintenant on fait fixture document any et on fait un map et toute la suite du, du code comme avant. Et ce qui fait qu'on peut réutiliser, bah du coup, maintenant cet ensemble dans d'autres tests. Et ce qui fait que quand l'équipe produit est venue nous voir pour nous dire bah maintenant, on veut des, des documents dans des dossiers dans des armoires. Bon, on a eu une seule ligne à rajouter sur cet ensemble de données-là. Et tous les tests qui dépendaient de cet ensemble vont se mettre maintenant euh, à tester euh, des documents qui sont dans des dossiers. Ce qui fait que statistiquement, on couvre l'ensemble de, des fonctionnalités euh, de notre application en rajoutant globalement qu'une seule ligne de code. Ce qui est plutôt cool. Et ce qui fait que, euh, à la fin, on est passé d'un système où on avait nos neuf tests où il y avait beaucoup de duplications, un système où on a supprimé six tests, on n'a plus que nos trois tests de notre fonctionnalité, et c'est le framework de property-based testing qui va à chaque exécution choisir entre piocher dans un document qui est dans une armoire, dans une manette ou dans un dossier, et ce qui fait que statistiquement, on couvre l'ensemble des cas. Et l'autre avantage de cette technique, c'est que si vous regardez le graphe, tout en bas, on a la classe créer armoire. Et en fait, on a transformé la, la problématique de, complexe, enfin de complexité exponentielle une complexité en un avantage, puisqu'en fait, cette, cette classe créée armoire avait été jouée indépendamment, mais avait être rejouée avec un nouveau jeu de données pour la création de gabarits de dossiers, pour la création de gabarits de documents, et tous les tests qui en dépendent. Ce qui fait qu'en une seule passe su, de suite de notre test, enfin, ouais, vous avez compris... <laughs> Bah en fait, euh, ce test-là va être joué euh, d'autant plus de fois qu'il y a de, de fonctionnalités qui en dépendent, ce qui fait que en fait, les fonctionnalités les plus élémentaires de notre application sont d'autant plus testées euh, qu'on qu dépend euh, dessus, ce qui fait qu'en fait, on est à peu près sûr qu'elles planteront euh, jamais. Et une question qui, euh, qui vient régulièrement euh, quand je présente euh, ce, cette technique de, de test, c'est... Euh, c'est euh, enfin va venir un moment où le framework va vous dire euh, j'ai généré une donnée qui aurait dû passer et euh, globalement c'est n'est pas passé euh, du coup bah, l'approche la, à avoir c'est pas de relancer la suite de tests pour mettre ça sous le tapis hein, c'est de, euh, de faire un test de, de non régression pour être sûr que cette donnée va toujours être jouée pour être sûr que le bug ne reviendra pas et du coup bah, vu qu'on a extrait en fait euh, notre notre test dans une classe et que le framework nous dit c'est précisément cette donnée qui a planté pour écrire notre test de non-régression. Donc on fait notre méthode PHP init, et en fait on n'a qu'à implémenter notre classe de test en lui passant la donnée qui est invalide, et faire en l'occurrence créer un moire de vis, et globalement en deux lignes on a notre test de non-régression, et on n'a toujours pas de duplication dans notre code, et on aura la garantie que cette donnée invalide, enfin, qui a fait planter notre API, euh, ne refera pas planter notre API plus tard. Et il s'avère qu'il n'y a pas plus tard que le mois dernier, il y a Blackbox qui nous a sorti tout cet output un peu horrible. Globalement, tout ce que vous voyez en vert, c'est le genre de string que ça a généré. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça génère plein de trucs, enfin toutes les combinaisons. Et dans le tas, il y a cette partie-là qui est intéressante. En fait, ce test, c'est une recherche croisée dans notre application pour s'assurer que quand on recherche un document avec une métadonnée, on remonte pas les documents qui ont les autres métadonnées. Donc là, on a trois documents pour les trois métadonnées, enfin les trois strings qui sont spécifiés. Et on le, il nous a trouvé un cas, où, enfin ce cas-là, où euh, bah, il a fait une recherche avec une string. Ça aurait pas dû remonter un document, mais ça a quand même remonté un document. Et en fait, le piège, il se joue dans le 1 qui est dans la première string et dans la, dans la troisième string. À première vue, c'est des strings qui sont complètement différentes, ça devrait pas matcher. Mais en fait, euh, dans la première string, il y a un petit pourcentage qui se cache euh, à la fin. Et vu que c'est une recherche SQL, ben, le pourcentage, ça veut dire euh, t'occupe pas de tout ce qu'il y a après. Et globalement, tu, euh, tu matches ce qu'il veut. Et genre, c'est typiquement le genre de truc qu'on n'aurait jamais pensé à écrire comme test. Et en fait, euh, ça a fini par, par nous le trouver. Du coup, la correction a été euh, relativement simple. Bon, ça a quand même mis deux ans avant de nous générer un cas pareil. Hein. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. <laughs> Et donc là, dans les exemples, je vous ai montré des ensembles de données qui sont relativement simples. Mais Blackbox, en fait, fournit tout un tas d'autres ensembles de données pour pouvoir générer en fait, des données assez précises et globalement construire à peu près n'importe quelle structure de données que vous souhaitez. Et globalement, j'ai trouvé très peu de limitations jusqu'à présent dans le système de génération. Et donc ça c'est l'état où on en est actuellement des, des tests chez Ephalia pour le produit de la, de la GED Tous nos tests ne sont pas encore euh, sous ce format-là. On est toujours en, dans le processus d'extraction, enfin de refactoring de, de nos tests. Mais bon, avec plus de 700 tests, ça, ça prend du temps et on ne veut pas faire tout d'un coup. Mais ça nous permet déjà en fait de pouvoir rajouter des fonctionnalités avec ce nouveau type de test euh, sans. Euh, faire trop croître en fait notre temps d'exécution de, de, de notre CI, ce qui fait que globalement maintenant c'est relativement constant puisque à chaque fois qu'on rajoute des nouveaux tests, on en profite pour en refactorer quelques anciens. Mais euh, cette approche, ça nous ouvre aussi la voie pour euh, différents types, enfin de nouvelles façons de, de tester euh, qui étaient quasiment impossibles à faire jusqu'à présent. Et euh, la première opportunité, c'est la notion de parcours utilisateur. Parce que dans nos tests jusqu'à présent, ce qu'on fait, c'est qu'on teste que cette fonctionnalité-là fonctionne bien dans son environnement. Mais potentiellement, un bug, ça va n apparaître que quand il y a votre utilisateur qui fait un enchaînement de 10, 10 actions différentes. Et dans le schmibic, il y a quelque chose qui se passe mal, une corruption de données ou que sais-je. Et globalement, imaginez tous les chemins que pourrait prendre votre utilisateur avec n'importe quelle donnée. Globalement, on ne peut pas faire ce genre de test parce qu'il y en a tellement que ce n'est pas envisageable. Mais euh, avec cette technique, du coup, ça devient relativement simple puisque euh, avec Blackbox, on a un ensemble de données qui s'appelle séquence. C'est juste un autre nom pour dire arrêt. Et en fait, euh, séquence, ça va générer un tableau de données euh, qui va contenir donc, plusieurs données. Et là, en l'occurrence, on précise qu'on veut au moins deux éléments parce qu'en dessous de deux éléments, ce n'est pas un parcours utilisateur, c'est juste un appel. Quoi. Et les, les, euh, les valeurs qui, euh, qui seront à générer dans ce tableau, on le définit avec un autre ensemble de données qui est passé à séquence et en l'occurrence on le définit là avec un ensemble qui s'appelle Iver à nouveau auquel on va passer en fait l'ensemble des actions de test qu'on fait enfin, qui sont possibles dans notre application et en fait c'est les tests qu'on a déjà écrit et ce qui fait que aléatoirement il va générer un tableau qui va contenir par exemple créer banette ABC puis faire 10 autres actions puis créer à nouveau une bannette qui s'appelle autre chose et du coup, vu que ça nous génère un tableau, pour exécuter le test, ça devient relativement simple, puisqu'on n'a qu'un for each à faire sur notre tableau et appeler chaque action. Ce qui fait qu'aléatoirement, on couvre comme ça tous les parcours utilisateurs euh, imaginables, avec toutes les permutations de données euh, imaginables. Et l'autre euh, évolution de ces tests-là, c'est euh, des tests en conditions euh, réelles. Comme je le disais au tout début, chez Falien, on a aussi une suite logicielle et potentiellement, ben, comme le parcours utilisateur, il va y avoir un bug qui va n'apparaître que quand il y a une application A qui appelle une application B qui appelle une application C. Et en plus, nos clients ne vont pas tous vouloir la même suite logicielle. Certains vont vouloir qu'un logiciel, d'autres toute la suite, d'autres différentes topologies de trucs, enfin de la, de la suite. Et ce qui fait que, euh, vu qu'on fait des, des tests fonctionnels, en fait, la méthode makepost, c'est globalement un, un appel HTTP qui est fait. Et donc, au lieu d'utiliser le client Symfony qui, euh, qui appelle en mémoire, on pourrait faire un vrai appel HTTP qui serait euh, sur, une, sur une instance de, de notre suite logicielle. Et donc, combiné avec les parcours utilisateurs, si toutes nos applications en fait, avaient ce genre de test-là, on pourrait générer un parcours utilisateur à travers euh, un ensemble de, de la suite. Complètement aléatoire et essayer de trouver bah, le genre de problème qu'il pourrait y avoir, genre les applications qui s'appellent en boucle ou des synchro de données, etc., etc. Et la dernière opportunité que couvre la black box, c'est la création d'un outil, d'un modèle checker comme Tela ou uh, Alloy. Uh, ces outils-là permettent de valider uh, des règles métiers uh, sans avoir à implémenter vraiment l'application la, pour voir si les règles métiers sont. Uh, fonctionne ou pas. Mais ça, ce sera une histoire pour une prochaine fois. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le pseudo Babtu. Vous pouvez retrouver ces slides sur mon GitHub dans le repository Talks. Et le QR code vous enverra sur Open Feedback pour noter et laisser des commentaires qui seront très appréciés. Merci. Merci pour la presse. Euh, J'ai une question. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez réfléchi à une fonctionnalité qui, euh, en local ou sur la CI, euh, sur une branche, euh, lancerait un test random Par contre, sur master, il les lancerait tous, histoire de couvrir 100% des, des use cases euh, Alors, c'est euh, une éventualité qu'on a parlé il n'y a, a pas longtemps, justement, de dire euh, vu qu'on déploie chez nos clients, on ne fait pas du déploiement euh, live, on fonctionne par euh, release. Et l'idée c'était de dire bah, avant de, de sortir une release, dire en fait on va jouer notre suite, euh, genre au lieu de faire que un scénario sur notre suite, genre en, fait, en faire 100. Donc du coup, globalement ça va tourner pendant 100 heures, mais du coup à augmenter notre confiance sur le fait qu'on en fait on couvre d'autant plus statistiquement l'ensemble de notre application. Mais ce n'est pas encore implémenté. Mais c'est relativement simple du coup à faire, c'est une question d'un paramètre dans Blackbox à, à changer pour faire ça. Merci pour la presse. Euh, petite question de ce côté-là. Je ne vois pas. Ah. Euh, par rapport à comment vous gérez, pour, enfin, comment vous capturez les problèmes qui apparaissent du coup aléatoirement en fonction des contextes sur les postes, dans la CIA et autres, Comment vous faites pour euh, suivre ça Est-ce que vous créez un ticket à chaque fois qu'il y en a un qui est rencontré pour penser à le traiter Est-ce que c'est à la discrétion de chacun euh, C'est un peu à la discrétion de chacun. Mais globalement, dès qu'on voit la, la CI qui passe au rouge, on va dessus et on ne met pas trop longtemps en général à, à traiter. Donc on ne prend pas tout le, la cérémonie de faire l'issue et tout ça. Si on est un peu dans, dans le dur parce qu'on a d'autres choses plus importantes à faire à ce moment-là qu'un bug qui ne paraît pas trop important, alors là on va faire une issue, mais en général on traite de suite. Bonjour. Ouais. Euh, je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour récupérer euh, quand un test plante, pour vous assurer de récupérer la liste des propriétés qui ont été générées aléatoirement pour ouais. euh, le, le test, euh, pour reproduire le test qui plante. Oui. Euh, alors par défaut, euh, quand on utilise juste le trait la black box, euh, ça, ça change pas l'output. Vous pouvez pas le savoir. Mais il y a une extension PHPUnit euh, qu'il faut rajouter dans le PHPUnit.xml qui en fait, va aller garder en mémoire euh, les données qui ont été générées et euh, vont vous les afficher quand un test plante. Euh, si je remonte un peu, euh, genre ça en fait. Euh, alors là, nous on a un basculé de PHPUnit à directement à Blackbox, mais globalement c'est ce genre d'output qui, qui va s'afficher avec cette extension où pour chaque variable en fait, euh, de, dans la, la fonction qui est passée à zen va apparaître dans, dans l'output de, de la ligne de commande en disant euh, genre non est égal à la string, genre tout ce qui est en vert. Quoi. Ce qui fait que globalement, on n'a qu'un copier-coller globalement à faire entre guillemets, euh, pour, euh, pour créer le, le test de non-régression on va pas avoir le temps de continuer pour les questions mais vu le nombre de, de doigts levés par contre je pense que baptiste sera à votre disposition oui. tout au long des deux jours merci, merci beaucoup baptiste merci.